Ange Razouine pour une 24e région. En réponse aux doléances des autorités locales lors de sa rencontre avec la population de Marwantsetch samedi dernier, le président de la République, Ange Razouine, a annoncé la création d'une nouvelle région qui devra regrouper Marwantsetch et Mananara Nord. Il a rappelé à cette occasion avoir remporté 88% des suffrages dans le district de Marwantsetch aux élections présidentielles de 2018. Il a alors déclaré que Marwantsetch ne sera plus jamais oublié dans les actions de développement et que les infrastructures inaugurées samedi et celles en cours de chantier en témoignent. À ce titre, le couple présidentiel a entrepris une série d'inaugurations samedi à Marwantsetch, dont le PP Manarampinch Tankiakanjefana, le bureau de la circonscription de la pêche et de l'économie bleue. De même, tous les CSB2 du district ont été dotés d'un congélateur à énergie solaire pour le stockage des vaccins. En outre, la délégation présidentielle a donné le coup d'envoi des chantiers de construction d'un stade Manarampinch, des communes de Marwantsetch et d'Anzan, ainsi que des travaux de réhabilitation des rues de la ville de Marwantsetch et de la route de l'aéroport. Le président Ange Razouine a annoncé que les travaux de réhabilitation de la RN5 sont entamés à partir de Sonela-Livungo. Le chantier passera par Mananara Nord jusqu'à Marwantsetch. Enfin, comme Analandsrufu est une des régions productrices de vanille, le chef de l'État a remis à une dizaine d'opérateurs de la filière leur agrément d'exportateur de vanille. Covid-19. Un seul cas positif sur 111 tests en une semaine. Bien qu'il soit en net recul, le Covid-19 continue de circuler à Madagascar. Le bilan épidémiologique publié hier par le ministère de la Santé publique fait état d'un seul nouveau cas de Covid-19 sur 111 tests réalisés durant la semaine du 26 mai au 2 juin 2023. Aucun décès n'est à déplorer et aucun des deux cas actifs enregistrés sur la même période ne présente une forme grave de la maladie. Pour rappel, 68 289 cas positifs de Covid-19 ont été relevés à Madagascar depuis mars 2020 sur 531 329 tests PCR effectués. Santé publique en zone enclavée. Un CSB 2-9 à Nyantorivu à Rivenmam 2. À l'initiative du député élu d'Arivnimamu, Rodin Rakutmanzatu, l'ONG Madagascar Development Fund et sa partenaire, la famille Satine d'Angleterre, viennent de faire don d'un CSB2 moderne et équipé, conformément aux normes du ministère de la Santé publique, à près de 3000 personnes de 7 Fukuntan de la commune de Miantsoarivu, district d'Arivunimam 2, région Itasi, qui auront dorénavant accès à des soins médicaux de qualité. L'implantation de ce CSB2 dans le Fuktan de Mardaza contribuera à réduire le taux de mortalité alarmant dû à l'absence de centres de santé à des kilomètres à la ronde. L'infrastructure a été inaugurée le 2 juin par le député élu d'Arivunimam et le directeur régional Itasi de la santé publique, ainsi que toutes les autorités locales, en présence du directeur général de MDF.